Vous allez assez bien, moi très bien. Alors on va tout de suite lancer un jeu sur PS1. Bon, j'ai dit que j'allais faire le playthrough de Metal Storm, mais j'ai pas envie de le faire maintenant. J'ai plus envie de faire un petit jeu PS1, tranquillou. Alors je sais pas s'il y a déjà un screen capture pour EPSX. Je vais voir ça tout de suite d'ailleurs. Bon, émulateur, live. Non, je vais pas dire un autre jeu. J'espère qu'il passera pour les musiques, tout ça, mais enfin bon. C'est le souci des copyrights, vous voyez, les gens. Je pense pas qu'il passe. Là, t'es. Oui, voilà. Voilà. Donc, dites-moi si je suis bien relégant. Je préfère avoir un petit message comme ça. Peut-être baisser un peu le son du jeu. Puis s'il y a des soucis de copyright, je préfère largement prendre un peu d'avance sur ça. Hop, voilà. Je n'ai point de sauvegarde. Ouais, je suis le. Oh my god! Je préfère couper le son. Tant pis. C'est pour me ramasser un strike sur Twitch ou sur YouTube, ça ne sert à rien. Oh, ta gueule. On va attendre que ce soit fini, hein, les gars. On va vraiment attendre que la musique soit terminée. Putain, c'était la bombe à retardement, là. Bon, en attendant, on peut discuter tout et de rien. Je vois que vous êtes assez silencieux dans le chat. Donc n'hésitez pas à lancer un sujet. N'hésitez surtout pas, les gars. On a beaucoup de choses à parler, pourtant. Allez. J'ai ma balco, j'ai ma balco, j'ai ma balco. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Attends. Ah, j'aurais aimé, mais bon, plein live, je dois redémarrer Spark qui m'a fait il y a un troll avec Avast, ce con. Chaque fois que je démarrais Spark, j'avais Avast qui s'allumait. D'ailleurs, ce vendredi, je vais me payer un abonnement Avast parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible toutes ces histoires alors. Ça va? Oui, pas de musique de Madine Satan qui pourront me coûter YouTube. Ça va. Oui. Hop. Magic. Oh yeah. Ok, donc je choisis toi, bien sûr. Oh mon dieu, le générique français. Oh là 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 là. Horrible. Alors dans ce jeu, c'est bien simple. Vous avancez, hein, vous avancez, vous ramassez tout des trucs comme ça. Et vous capturez les cartes comme ça. Vous avancez, vous capturez, vous avancez, vous capturez. Yep. Voilà. Les animations qui sont quand même superbes. Pour vraiment te dire que tu captures des cartes. Hein. Il faut avancer en même temps pour avoir au moins nos bonus. Ah bah là, j'ai manqué des cartes. Dommage. Faut récupérer plusieurs énergies de cartes. Hein. La 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 la. Oh là là là! Oh my god, j'ai une carte qui va pousser! Oh mon dieu, elle vit! Oh mon dieu, une carte qui vit! Oh, et The Phoenix! But, bien sûr, ça va être de remplir toutes les cartes, hein, de leur essence, pouvoir, tout ce que tu veux. Honnêtement, ce jeu, il est bien. Franchement, moi, je le trouve cool, le jeu, honnêtement. Je sais pas vous. Le principe est vraiment sympa. Après, je vois mal perdre une partie dans ce jeu.
La dernière fois, d'ailleurs, merci Dazer de m'avoir commenté. On était sur Sakura Eternal Heart, donc sur PS1 encore. Tout simplement, je me suis dit dans l'aventure, ouais, bon, ouais, c'est pas trop dur tout ça. Et une fois que j'étais contre l'adversaire, bah, j'ai vite pas moins fait mon malin, tu sais. Hein. Ça t'inquiète, je suis Ikki du Phénix! Il y a encore une carte. Parce qu'il m'avait fait une remarque. Ouais, mais tu dis que c'est trop facile. Ah, et tu perds contre les adversaires après. Oui, mais ça c'était contre les adversaires du scénario que c'était facile. Quand tu affrontes tous ces PU à des difficultés variables, bah ça je veux bien comprendre, l'ami. Ça je veux bien comprendre. T'en fais pas pour ça. Et une nouvelle carte s'ajoute à notre collection. Le silence, je prends plutôt ça. Je préfère ça. Ouais, c'est un peu une review hein, de ce qu'on a. Ça ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est sauvegardé. Je voudrais quitter, monsieur. Rechoisir mon niveau. Voilà, parfait. Alors déjà ça va être fait. Non, mais sur une rediff de mes vidéos. Tu tapes Sakura Eternal Art ou un truc comme ça. Et ouais, il a répondu à un truc. Oui, il est abonné, hein. Fait plaisir, petit coucou à lui d'ailleurs. Oh non! Mince! Oh là là! Merde! Des petits coucou à tout le monde qui vont regarder la rediff au passage, bien entendu. Des bisous! De gros bisous, les gars! Ça vient du cœur. Ah oui, ça vient pas du cul surtout. Hop, on va foncer. Voilà. On fait une petite chaîne. Ah, The Shadow. Hop. Alors, excusez-moi si vous entendez peut-être des petits couacs au casque. J'en arrive de temps en temps. Parce que. Disons que le ventilo il frappe fort sur mon oreille là, donc c'est un peu désagréable, j'essaie de trouver une position correcte. Si je peux dire c'est ainsi. Merde. Tiens. Faut des cartes rouges. Faut des cartes rouges. Ah, il y en a, il y en a. Attends. Voilà. C'est ce que je voulais. Ouais, j'ai vu. C'est incroyable, hein, ce jeu. C'est quand même incroyable, ce jeu. Je sens qu'encore une fois, ça va être un concurrent de masse face à Final Fantasy XV. Hein. Mais vraiment un concurrent de masse. Hein. Déjà qu'il sort avant FF15. Je pense que il y a de grandes chances qu'il fasse des dégâts hein, sur la concurrence. Nouvelle cult. New cult. Allez, on va s'attaquer au niveau 3 désormais. Car le jeu est vraiment super sympa. Vraiment super sympa. J'adore ce système. Ah oui, je peux lancer des sorts, c'est vrai. Mais... Oui, monsieur. Si je l'utilise pas au bon moment, ça sert à rien. Ah, enfoiré.
Ah, ça a commencé des shadows. Des petites shadows là pour embêter. Ok. Je pourrais faire réapparaître à l'infini. Vous voyez que le gameplay il se met doucement en marche, mais vraiment, vraiment cool quoi. Ouais, Day One aussi, hein. Day One de mon côté aussi, hein, mon gars. Ça, t'en fais pas pour ça. Espérons une trad, hein, pour le coup. Localisation, oui, je sais, mais la trad, faudra voir. Voilà, déjà une. Oh my god, c'est un nœud! Elle possède des pouvoirs incommensurables, c'est un nœud! Oh my god! Ouais, mais ça c'est comme tous les personnages, donc bon, en anglais, oui. C'est même sûr et certain, quoi. C'est même sûr et certain que ça sortira en anglais. Français, je dis pas non, mais bon, après. Pour Atlus, hein. Ah, Itachi qui... coup comme Itachi, oui, je sais que c'est frustrant que tu puisses pas aller sur mon live alors que je live, bah. Écoute, je te fais des gros coucou, mon cher Itachi, voilà. Si quelqu'un veut aller lui dire, mais voilà. Je te fais deux gros poutous partout. Et amuse-toi bien de ton côté, surtout, c'est le principal. Maintenant, il me faudrait des réceptacles de cartes rouges. Réceptacles de cartes rouges, là, ouais. Ça, je m'en fous un peu, c'est pas des cartes rouges. Ah merde! Il y a une carte qui manque. Manque de puissance dans une carte, là. Mince alors. Tant pis. Sûrement parce que j'utilisais mon pouvoir au début, fait que je l'utilise plus tard. Ah, quand tu découvres un pouvoir que tu sais pas qu'est-ce qu'il fait, t'as toujours le réflexe d'utiliser comme un con. Et du coup, c'est toi qui te sens con. C'est bien simple. Wonderful. Wonderful. Oh yeah. Ronde de four. Ouais, là, c'est la rouge, justement, qui se met en avant. Merci, putain. Putain, merci. Je suis totalement foiré. Fais chier. Ça va. Ah, voilà. Ah, ce serait bien qu'ils le sortent en français, hein, les gars. Ce serait bien, mais bon, écoutez. Comme on dit, il faut pas trop y croire, hein, malheureusement. En anglais, oui, sûrement. C'est même logique, connaissant Atlus, mais bon. Voilà, c'est en français, faut même pas rêver, je pense, hein. Et Dieu que je sais que le coût de, justement, produire en localisation française est vraiment hard. Ça coûte énormément blindé d'argent.
Il faut le transport, faut l'argent pour les traducteurs, faut la traduction, faut les logiciels pour... Faut le matos, quoi. Faut le matos pour justement configurer tout ça. Si c'était juste de l'argent bête et méchant pour juste changer des mots, bah putain, vous savez pas tout ce qu'il y a pour faire ça, hein. Et Dieu qu'il faut de l'argent, hein. Dieu qu'il faut du coup. Je sais, j'en ai raté un, mais je m'en fous tout plein. Allez, donc on va aller ici. Ouais, fais voir. Hop. Ouais, le codage, tout ça. Heureux Sasuke. Mais t'imagines coder de la langue japonaise justement pour bah pour un besoin anglais, enfin un besoin international. T'imagines le bordel que c'est? J'aimerais pas y être, hein. Putain, j'aimerais pas y être, hein. Ça doit être horrible, hein, mine de rien. Ça, les gens ils se disent ouais, c'est juste changer la langue, tout ça. Mais si c'était que ça, les mecs, putain. C'était que ça, putain, on serait heureux. Hein. Et ouais, encore un jeu Sakura. C'est le fan de Sakura qui parle. Non, mais bon, voilà. Ah, si on leur apprenait aux gens ce qu'est le vrai métier du jeu vidéo, dans ses moindres ressources, je pense que t'en as beaucoup qui fermeraient leur gueule sur ça. Hein. Ouais, c'est beaucoup de miroirs ici, hein. J'importe tout, je te vole tout. Non, non, tu n'as pas loupé Guilty Gear, t'inquiète. Ça, j'attends que Fabien arrive. D'avoir ce que c'est du gros Guilty Gear. Oh yeah! Attends, je te lis après, mon cher Wayne. Moi, j'ai vu du codage juste pour faire un mouvement d'un objet, c'est horrible. Donc, un jeu complet, ah ouais. Mais t'en as, tu sais, juste pour faire cligner l'œil d'un personnage, t'en as, ils s'en passent toute une journée, hein. Cligner les yeux d'un personnage, hein, je parle bien. C'est le truc le plus insignifiant qui soit, mais c'est un des trucs hyper compliqués, hein. Imaginez un boss, chaque pattern, chaque fois qu'il bouge, chaque fois qu'il lance ses attaques, les effets spéciaux, tout ça. Imaginez à quel point ça doit être hardcore de programmer ça. Imaginez. C'est... Waouh. Le codage, putain. Moi je dis, j'en ai fait un peu sur RPG Maker, mais c'est plus jamais quoi. Je savais plus ou moins modifier la position et les temps de latence d'attaque. J'avais codé un peu ça, mais bon. J'ai voulu rendre un système à la FF4 en fait, donc avec un Active Time Battle. Le souci c'est que quand mon personnage attaquait, ben, il y avait son sprite qui restait. En fait. Quand tu as quelque chose qui se déplace, un sprite, ça se fait sur un nombre de frames, on est d'accord. Bah moi les frames elles restaient derrière. Et après ça se recollait bizarrement ensemble, c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça et si vous savez comment ça marche. C'est comme si j'avançais avec Sakura là et qu'il y a une Sakura qui restait derrière quoi. Ah c'est minutieux, hein, c'est minutieux, hein, faut vraiment faire gaffe.
Moi, je devrais te l'enlever. Te l'enlever. Mon Dieu. Te l'envoyer, mon cher Satsu. Mais voilà, c'est. Le codage, putain. T'en as encore qui disent que c'est accessible et tout. Mon cul sur la commode. D'avoir reçu que dalle en fait là. Ah, je sais pas c'est quoi votre avis sur le codage honnêtement, ce que vous en pensez dans le milieu du jeu vidéo. Mais si quelqu'un a déjà essayé comme moi d'en faire. Mais écoute, faut pas que je me trompe sur les lettres par contre. Enfin plutôt sur la minuscule et la majuscule. Tu verras. Soit Hunter il a un H majuscule, soit autre chose, mais c'est ça. Faut voir avec les X majuscules et minuscules. Mais en somme, c'est ça. Mais non, je suis une star. Mon Dieu. De rien, de rien. Cet homme, vous ne devinerez jamais qu'il l'a fait. Il a offert son PSN aux gens. Depuis, c'est devenu une star. Depuis, il fait des films porno avec des stars. Non, je rigole. Mon Dieu. Ah, deux cartes en même temps. C'est cool, ça. Cet homme, ce génie, ce brave homme qu'est Hadès. Oh. Vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait avec OBS. Non, bien sûr, je rigole. Humour. Elle est mort. Allez, toujours une pour ce. Toujours une, putain. Toujours la bleue. Saleté de Schtroumpf de merde. Toujours elle. C'est quand même incroyable, hein. Putain. Donc n'hésitez pas à me dire si le PSN fonctionne. Pour moi au moins savoir si je l'ai pas écrit n'importe comment. Mais c'est ça, mais bon, c'est vraiment sur les majuscules qu'il faut voir quoi. Oh, pas mal ce niveau. La petite mère qui se balade. Oui, hier, c'était le jour de la mère au Japon, hein. Donc souhaitez-leur bonne fête. On est en retard. C'est le jour de la mer au Japon. C'était Umi no Haru ou un truc comme ça. Ah, forcément. Moi aussi j'ai des cartes. David Lafarge, j'y dois rager là. J'ai une collection incroyable. Avec de la frappe. Parce que je suis en forme là. Yes, slide, motherfucker. Ok, merci. Mon icône de PSN, ouais, je l'ai choisi comme ça au hasard. Je sais pas d'où elle vient, mais ça m'était proposé, donc ouais. Ah, oh, c'est une belle fille, ouais. Je sais pas d'où elle vient, nettement. On va retourner à fond là. Hey. Tape dans le rouge, vas-y. Hey, tape encore dans le rouge. Il faut que j'ai mon max lover. Oh! Yeah! Ah! Je devinerai jamais ce qu'il a fait avec ses cartes.
Et tout est rempli et tout est fini. Parfait. On récupère la carte bonus. Ah, qu'est-ce qu'on a de beau? Peut-être des petites références sur les cartes, la description, tout ça. J'aimerais bien qu'on change de pouvoir en fait. Tu vois qu'on ait cette carte à utiliser sur le terrain. Putain, ce serait cool, mine de rien, les gars. Je sais pas s'il y a cette possibilité, mais bon. On va voir tout de suite si c'est le cas. Chocolat d'année. Ah, le feu. Oh my god. De toute façon, les gars, je vais vous donner un gros conseil, c'est que, bah, écoutez, moi je dis que le feu il fait mal, bah oui, le feu il brûle. Il fait un peu mal le feu, donc bon, protégez-vous quand même. Oh, belle carte. Moi, vous aurez eu un conseil que vous aurez eu toute votre vie grâce à moi. Abonnez-vous. Oh, ça va bien ça. Parfait, parfait. Voilà, ça c'est fait. Toujours pas de nouvelles de Fabien, soit dit en passant. Je suis impatient d'aller sur Guilty Gear là, tu vois. Là, on verra, on verra. Mais je checkerai ce soir hein, pour les PSN, vous en faites pas pour ça. Oh, belle prise, mon Dieu! Ouais, personne n'a de nouvelles de Fabien, je repose la question. Voilà. Ah, deux cartes là. C'est un peu moins bien, en effet. En effet, c'est un petit souci. Un petit souci. Alors, écoute, ce que je vais faire, je vais finir les 10 niveaux ici. Et après, on changera de jeu. Hein. Parce que vraiment, mais j'ai envie de le démarrer pour lui, quoi, le Guilty Gear Xrd. Vraiment pour lui que je fais. Non, c'est pour moi aussi parce que Daisy, s'il te plaît, hein. Pas déconner. Son laser, tout ça. Ah, yeah. Oh, yeah. Cadeau, la vérité, The Truck. Oh my god. Vous devinerez jamais ce qu'il a fait avec Julien Chiez. On pète les miroirs, oui, on pète le reflet de notre âme, c'est... Oui.
Dans certaines optiques, ça va. Si c'est pour choper l'âme des cartes, on s'en bat les couilles. Totalement loupé ça. Voilà, oh là. On a su arriver, mais de peu, hein. C'était juste ça. Ça va. J'ai eu une carte. Thunder. Oh yeah. Je parle en mode relax. Les abonnés vont se dire, oh putain, tu vas confier ton cul à Gilowell. Oh mon dieu, Ultima. Qu'est-ce que tu as fait? Mais écoutez, moi j'ai du mal à payer mes fins de mois, donc bon, faut bien se faire du bien quelque part, écoutez. Bah écoutez, il y a la passion, hein. Voilà, moi je dis, quand on crée de la passion, il y a de l'argent, hein. Le sept forcé, ben, c'est pas interdit, hein. Ah là là. Niveau 9, terminé. Et ben voilà. Donc on va passer au dernier niveau pour le coup. Et je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire après. Je vais peut-être vous montrer un petit jeu le temps d'attendre Fabien. Là, je pense qu'il est parti manger. Ouais. Probable. Oh putain, c'est un niveau sous LSD, ça. What the fuck? Quel est le fuck de ce niveau? Ce niveau était codé par Wayne. T'as vu ça? Ouais. Monsieur Wayne, dénoncez-vous. Ça ne va plus. Plus rien ne va. Faut que... Oh, putain, c'est pas facile. Pas que j'appuie vers le bas, ça accélère aussi. Oh là 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 là. C'est quoi ce level là? Oui. L'illusion, d'accord. Ah ouais, c'est le codeur de Zakuin, officiel Wendis, s'il vous plaît. Respectez. Officiel Wendis. Oula. Ah oui, le labyrinthe là. Putain, je me souviens d'un épisode avec le labyrinthe là. Oh là, c'était horrible. Je m'en souvenais plus du labyrinthe, et d'un coup, paf! Oh oui! Oh putain! C'était un épisode bien cool d'ailleurs. Merde. C'était soit l'un, soit l'autre. C'était soit l'un, soit l'autre. Voilà. Ah. Attends. Tu vas pas me dire que dans ce jeu, il n'y a que 10 niveaux. Eh. Tu te fous de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule. C'est quoi ce jeu? C'est quoi cette merde? Bon, c'est avec lui, hein, mais... C'est quoi cette merde? Je ne suis point d'accord. Moi je dis, il y a foutage de gueule.
Comment il s'appelait encore le garçon là? Il s'appelait pas Sébastien lui dans Sakura? Je pense, hein. Voilà, c'est une biatch, on s'en fout! Non, mais je pense qu'il s'appelait Sébastien ou un truc comme ça. Alors, t'as quoi comme magie, toi? Oh, stylé, stylé, stylé. Ah. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le finish, il Alors, pourquoi est-ce que Daisy évite tout simplement que Necron, donc son aile démoniaque, de tirer? Bah, tout simplement, Daisy, à la base, c'est quelqu'un qui ne veut du mal à personne. Et disons que voir un mort devant elle, c'est la pire des choses qu'elle pourra faire. Donc, elle interdit à Necron, donc celui qui lance le pouvoir, de tirer son laser, tu vois. Et donc, là s'ensuit que le finish, bah, il va sur le côté, hein, et que d'où l'origine du surrender, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on va partir sur un Guilty Gear ici, peut-être. Je sais pas, je sais pas. Faut voir, faut voir. Bah ouais, bah écoutez, moi je vais finir avec ce jeu, donc on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite.